Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Xa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps, c'est les matchs donc sur Showdown. Je vous avais posté deux épisodes assez rapidement, puis il y a quoi, 2-3 mois, au début de mon arrivée sur la chaîne. Et voilà, j'avais envie de refaire, mais pas en OU, parce que OU, en fait, c'est un peu en train de me saouler en ce moment, parce qu'on revoit tout le temps les mêmes pokés. Donc j'hésitais entre le 350 Cup qui est en fait du OU mais avec les Poké LC, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir des vidéos, peut-être j'en ferai une, on verra bien. C'est un tir assez sympa, et le LC, donc bon, j'ai fait deux petits matchs LC filmés qui se sont plutôt bien déroulés, donc bon, ça va être le petit moment, on va le regarder. Bon allez, quoi, c'est parti, faut que j'arrête de dire n'importe quoi, hein. Allez go, c'est parti. Donc j'ai envoyé passe rouge, donc il a envoyé son Goupix, il a mis le Sun, il a switch, moi j'ai fait Sword Dance tout simplement parce qu'il pouvait pas me faire grand chose, il a mis son Rototaupe, là je pouvais pas faire grand chose également, donc du coup j'ai fait U-turn, dommage pour le boost, moi j'avais anticipé donc le Tombroche ou non c'est éboulement. Et donc j'ai envoyé mon Rototaupe, ça a fait aucun dégât et j'ai fait séisme mais je l'ai tué. Il a envoyé sa fleur, je ne sais pas comment il s'appelle, je savais même pas l'existence de ce poké pour vous dire, et donc il m'endort, j'étais au bout de ma vie, mais bon c'est pas bien grave. Ensuite il me fait passer feu je pense, en fait, donc c'est pour ça que j'ai envoyé donc passe rouge qui il a fait passe puissance cachée feu sur passe rouge, ça lui a pas fait énormément de dégâts. Moi j'ai fait U-turn, voilà, tout simplement parce que je savais pas trop quoi faire, acrobatie, j'avais pas trop envie de l'utiliser maintenant. Et j'ai envoyé donc les kids, il a renvoyé son Goupix, je lui ai fait Volt Switch, le critique qui fait plaisir, je le mets à 5% de vie. Et je le finis avec acrobatie de passe rouge, voilà. Donc ensuite il m'a envoyé son Viscus, donc je fais U-turn, un critique je crois, mais bon, on s'en fout. Et j'envoie Krabicroc, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais grâce au Sun je résiste plutôt bien. Donc c'était cool, bon il me burn mais bon c'est pas bien grave. Je pose les Steel Rocks, il me fait mal encore une fois avec, ses ébullitions. Et je peux poser une couche de picot avant qu'il me tue avec un second ébullition. Donc ensuite j'envoie liquide, lui il switch donc sur Lilia, il prend très très cher, enfin il a perdu beaucoup de vie, des picots en plus des picots sur les Steel Rocks, du coup j'ai fait bon tonnerre, et là ça va être le gros rush de liquide. Il envoie son Baggy Gwen, je le fais tonnerre, je le tue. Je savais pas trop s'il était focus slash, je crois il est joué focus slash, mais bon grâce au picot plus Steel Rocks, voilà quoi. Il n'y avait pas de rapid spinner également dans son équipe. Ah si, il y avait Rototaupe. Bon, dommage, je l'ai tué assez vite. Et en fait, ce que je comprenais pas, c'est qu'il a envoyé tous ses pokés à la mort en laissant juste lui. Parce qu'avec lui, il peut faire, regardez, il fait énormément de dégâts. Il l'a envoyé à la fin. Je trouve ça un petit peu bizarre. Moi, j'étais bloqué vu que j'étais Choice Spec. Donc, bon, il me tue avec Giga Rain. Et puis voilà, moi, j'envoie passe rouge. Et je vais faire un acrobatie. Oui, voilà. Un acrobatie. Et puis, donc, je vais le tuer. Donc, voilà. Donc, ce petit match contre Fabien était bien sympa. Maintenant, on va passer au second match. Donc, et cette fois-ci, le rush de passe rouge. Vous allez voir qu'il est pas mal. Donc, j'ai envoyé Cabricoc. Krabicroc, je sais plus comment il s'appelle lui, il fait Volt Switch et il va envoyer à bras. J'avais anticipé ça tout simplement parce qu'on me l'avait déjà fait mais des centaines de fois avec Magic Bones, donc de Abra. Donc j'ai fait Knock Off, là j'avais le choix, je spam mon Knock Off, soit son Abra mourait, soit il envoyait un autre et donc je faisais perdre son objet. Donc il a envoyé Lupio, il a perdu les Violites je crois, c'est en Evolu Rock. Je pensais bien qu'il allait refaire Volt Switch, du coup j'ai envoyé mon Mumel qui est mon petit Chamallow de type sol, du coup il encaisse très bien. J'ai eu peur qu'il avait hydro pump, du coup j'ai envoyé Brozong, qui est je ne sais plus comment il s'appelle, qui a plutôt bien encaissé. Donc j'ai posé mes screens et j'ai envoyé passe rouge. Il a fait Knock Off, je me suis dit pourquoi il l'enverrait, il peut rien faire, donc c'est qu'il a Knock Off. Du coup j'ai mis passe rouge, ça lui a fait perdre son objet. Je lui ai fait Sword Dance simplement parce qu'il ne tuait pas avec un autre Knock Off, à moins de critique. Et donc acrobatie faisait masse dégâts maintenant, et donc là c'était le rush de passe rouge. Il a mis son Abra, je l'ai tué. Avant il avait mis quoi, Lupio, donc je l'ai tué. Il va mettre Clamperl. Ah oui, donc faire un petit coup d'atterrissage. Il y avait encore l'ice cream, du coup Scald ne me faisait pas énormément de dégâts.
Il a fait acrobatie, il a cru que j'allais encore roost, du coup il a augmenté sa défense, je pense que c'est ça. Hein. Puis je l'ai tué donc avec un second acrobatie. Clomperg a une très grosse défense, mais pas assez malheureusement. Donc je fais acrobatie sur son soporifique, voilà. Je sais pas, peut-être qu'il voulait m'endormir, j'en sais rien. Puis il va envoyer donc le poké, donc j'ai oublié son nom. Je le tue avec un crit, je pense pas que j'aurais tué sinon. Puis il va mettre tir à vie, il va faire un protect pour histoire de dire qu'il a fait un protect. Puis je vais donc le finir avec acrobatie. Donc voilà, donc gros rush de passe rouge et de petit je ne sais plus comment il s'appelle. Elikid, oui, Elikid. Les autres on les aura pas trop vus, mais voilà, ils étaient sympas, c'était plus en soutien un peu, Mimel qui est assez sympa, mais voilà, c'est surtout ces deux là. Bref, voilà, je pense que je vous ferai d'autres matchs, peut-être pas en LC, ou peut-être en 350 cup, peut-être bien. J'ai également des matchs NU à vous proposer et autres tiers. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Exa, à plus tout le monde.